Coucou les amis, bonjour, bonjour. Donc voilà. Les filles, salut ma chérie, j'ai dit sur, comment ça s'appelle, story que j'allais commencer. Oh, I'm sorry, but, yeah, que j'allais commencer live dans 30 minutes. En fait, c'est juste. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit bonjour, ma chérie, qui m'avait dit qu'il fallait que je vous annonce si je vais aller live. Comme ça, vous allez être connectés. Mais comme je ne peux pas faire une vidéo pour vous dire, allez-y, je serai live dans 20 minutes, dans 30 minutes, je ne peux pas faire ça. Donc, le story, c'est toc, toc, ma chérie, tu peux entrer. Le story, c'est un bon moyen que pour nous, pour qu'on puisse communiquer. OK? Donc, vraiment. Restez always tuned parce que je vais toujours aller vous dire, vous faire des petits messages là-bas dans le story. OK, donc j'ai dit tantôt dans le story que j'allais partir live dans 30 minutes. Hi boo. Donc ça va quoi. OK, so guys, yeah, I'm here, I'm live. So I don't know, there's my English subscribers here. I'm sorry, but I will do this one in my English channel too because here, most of people here, they doesn't speak English, so I cannot go live like in English here. But I'm just gonna talk about the cream, the exfoliate cream that I made last time in my last video. So yeah, guys, it's just like answer questions about that and how to use it because a lot of people don't really know how to use it and like how often to use it. Oh ma chérie, depuis la Tunisie, envoie-moi le soleil, il pleut chez moi, envoie-moi le soleil du Tunisie. Yeah, so they are asking about how to use it, how often to use it, and what do we do after using this cream. So yeah, that's why I'm going to explain here. And you guys don't worry. I will do that. It's just because my audience in my English channel is not that big that as here. So if I go live over there, we will be like maybe 5 people or 10 people. I'm just worrying about my community over there. Oh, Nangadef, au Senegal, Nangadef, my dear. So yeah, but fortunately, we will go live over there. Everything I'm doing here, chez Ines Beauty, I will go over there and do that. So I'm just waiting about the community. So we have to wait maybe 1 or 2 months again. But I'm allowed to go live over there too, but not now. Okay, guys. So I'm really sorry. I'm just going to explain how to use this cream and how it is. Okay, guys. So if you can try to understand, so go ahead. Do your best. Okay, guys. So I'm sorry. So, yeah, les amis, je suis juste venue ici pour répondre à quelques questions. Ah, ok. Oh, ok. Kuna, Kunaba. Yeah, Nangadev, c'est tout ce que je connais. Mais moi, je suis sénégalaise aussi. Hein. Vous savez que maman Inès, elle est. Je suis tout. Ok, les amis. Donc, vraiment, je voulais. C'est ça. Surveillez les stories, guys. Surveillez les stories. Soyez. Hi, vous. Fatou. Surveiller les stories parce que le story va vraiment être un moyen pour nous de communiquer. Je sais que nous n'avons pas les mêmes heures. Il doit être vraiment tard en Europe, mais chez moi, il n'est pas tard. Donc, vraiment, le décalage. Love you too, boo. Thank you so much, NDI. Le décalage horaire ne va pas vraiment nous aider. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je suis une couche tard. So, yeah. Si je vais tout le temps vous dire, ou bien je laisse un commentaire quelque part pour vous dire que je vais aller live. Les chéris, je vais juste répondre quelques questions. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es jolie, Tatiana. Je vais juste répondre quelques questions about. About la crème qu'on a fait l'autre jour, OK? C'est une très bonne crème. Moi aussi, vraiment. Merci, Afia. Donc, vraiment, juste pour répondre aux quelques questions, OK?
Les gens posaient des questions sur comment utiliser, qu'est-ce qui se passe après. Merci, chérie Yvonne. Qu'est-ce qui se passe après? Je vais vous montrer la crème. Regardez, c'est bien solide. Regardez, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Ah, merci. Merci, Elsie. Vous voyez, non, ça ne tombe pas. Donc, ça devient très facile à utiliser. C'est solide quand tu le prends. Il y a une personne qui m'a posé la question. Quand on utilise ça, est-ce qu'on peut prendre la douche? Oui, ma chérie, vous pouvez prendre la douche. En fait, ça, c'est juste pour exfolier. Ça, ce n'est pas un peeling vraiment qui va enlever la peau comme ce que vous avez déjà vu si vous avez regardé la vidéo sur mes pieds. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va peeler petit à petit. Ça va enlever les peaux petit à petit. C'est quand tu vas te laver au fur et à mesure que tu vas voir ça. Mais, sorry, ça dépend. C'est de ça que je suis en train de parler, ma chérie. Coucou Dalia, ma chérie. C'est de ça que je suis en train de parler, ma chérie, de l'acide à lactique acide. C'est de ça que je suis en train de parler parce que j'ai fait une crème dans ma last vidéo. J'ai fait une crème, ok? Donc, cette crème-là, c'est juste pour exfolier. Si, ça dépend de ce que tu veux, ok? Ça dépend. Moi, ce que je vous ai montré, c'est ça que je fais pour pouvoir peeler rapidement. Si tu veux aller seulement comme nettoyer ta peau, tu ne verras vraiment pas, mais au bout de 2 semaines, tu vas voir que ta peau est bien claire. Parce que quand tu vas te laver au fur et à mesure, la saleté va tomber. OK? Donc, c'est pas. Bienvenue dans notre Chatulande, ma fille. Bienvenue, ma chérie. Mais oui, oh Dalia, merci beaucoup, ma chérie. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Vous voyez, non? Donc, ça va juste aller faire. Plus tu mets de la fille, ouais, nous, les Chatulandes, nous sommes là, les filles. Plus tu mets de l'acide, plus ça va être fort. OK? Donc, ne mets pas assez d'acide. Merci, chérie. Ne mets pas assez d'acide pour que ça te brûle. Parce que si tu mets assez d'acide, ça va être comme si tu avais mis de l'acide. N'oublie pas que tu ne vas pas rincer ça. Ça, c'est une crème. Tu ne vas pas rincer ça tout de suite. C'est quand tu as fini de te laver. Merci beaucoup, love you too. C'est quand tu as fini de te laver. Oui, cette crème-là va aider. C'est quand tu as fini de te laver que tu appliques cette crème-là sur ton corps. OK, les amis? Partagez le live, non, les amis, partagez le live. Merci. Vous voyez, non, quand tu as fini de te laver, tu appliques cette crème-là. C'est seulement une crème, mais qui va aller exfolier. Mais si tu veux vraiment exfolier tes mains, les pieds, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Allez-y seulement regarder les vidéos sur YouTube. Il y en a et vous allez voir comment est-ce que j'ai fait. Merci, chérie Carla. Et vous allez voir comment est-ce que j'avais utilisé. OK, combien de fois moi je l'utilise? Je l'utilise 2 fois parce que moi je le fais quand même un peu fort. Je vous avais montré, j'ai mis seulement 3 cuillerées de beurre de karité et puis j'ai ajouté 3 cuillerées à soupe de lactique acide, ce qui veut dire que c'est fort. Donc, ça m'a, je ne peux pas appliquer ça chaque jour. Si vous voulez en faire un lait de chaque jour qui va vous exfolier seulement, qui va juste vous laver petit à petit, dans 3 cuillerées de lactique acide. Dalia, tu me fais rire. Donc, quand vous allez vous laver, ça va partir petit à petit. Vous allez voir que la peau va se nettoyer comme ça. Vous n'êtes pas obligé de décaper là facilement comme ce que moi je fais. Moi, je fais ça parce que je veux que ça soit vite, vite. Si je mets ça, j'applique la crème éclaircissante parce que la peau va partir. La crème, la peau, la nouvelle peau, on va mettre la crème éclaircissante. C'est comme ça. Si tu mets la crème hydratante, ça va noircir. Quand on fait un peeling, après, il faut appliquer la crème éclaircissante. Parce que ça, ce n'est pas un peeling comme ce que tu mets, puis après, tu attends quelques jours que ça pèle. Non, ça, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est seulement comme une crème, mais qui va avoir de l'effet peeling, qui va aller nettoyer ta peau. Et donc, toi, tu vas juste appliquer une crème éclaircissante. Continue d'appliquer. Moi, je le fais 2 fois par semaine seulement parce que c'est fort.
je veux pas me brûler parce que sinon, si je le fais deux fois successives, ma peau va, les peaux vont monter sur moi. Là, ça va commencer à appeler. Coucou, Angie. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Et puis, il y a une personne qui m'a dit aussi, si tu le mets, parce que j'avais moi dit dans la vidéo que moi, quand je l'applique sur mon corps, je mets les gants. Oui, je mets les gants parce que ça va brûler aussi mes mains. Si ça, c'est pas pour faire le peeling des mains. Mais ça, par contre, tu peux frotter ça bien sur tes genoux, sur tes pieds aussi. Mais si tu fais ça sur les mains, ça va gâter seulement tes mains parce que ça ne sera pas uniforme. Tes mains ne seront pas uniformes avec ce genre de peeling-là parce que ça, c'est seulement comme une crème. Alors, ça ne va pas aider. Donc, si tu la fais trop fort, ça ne va pas aider pour tes mains. Vaut mieux seulement faire un peeling directement sur les mains et attendre, puis enlever la peau sur la main et puis appliquer quelque chose d'éclaircissant. OK? Il y en a sur Amazon. Vous pouvez trouver cet acide sur Amazon. Il y en a beaucoup. Moi, je vois ça beaucoup sur Amazon. Cliquez si vous êtes en France. Cliquez. Merci, ma chérie. Merci, Marie-Jeanne. Cliquez seulement sur Amazon, vous allez trouver ça sur Amazon, il y en a beaucoup. Prenez n'importe quel pourcentage, il suffit que ça soit de l'acide lactique. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé si elle peut aussi. Oui, c'est seulement pour le soir, ma chérie. Le matin, mets ta crème que tu as l'habitude de mettre le matin. Cette crème-ci, ça va juste exfolier. Mais si tu ne mets pas beaucoup d'acide, là maintenant tu peux l'appliquer matin et soir, mais dépendamment de là que tu es. N'importe quelle crème, ma chérie. Je parle seulement de la crème exfoliante que j'ai fait la fois passée. C'est cette crème ici, je l'ai fait à base de la de crème. Comment ça s'appelle? Shea butter? Comment ça s'appelle? La crème là que j'ai mis ici. Beurre de karité, et puis j'ai ajouté de lactique acide. Avec de lavande et de la vitamine E pour pouvoir aider, pour pouvoir exfolier la peau. Donc, c'est tout ce que j'ai fait, les amis. C'est seulement ça, c'est juste pour exfolier. Moi, quand j'exfolie comme ça, comme je vous ai dit dans la vidéo, je ne peux pas mettre le peeling, l'acide de 90% directement sur mon corps, sur mon dos. Comment je vais aller faire pour atténuer ça là-bas? Maman, je veux crier au Nzango. Yeah! Maman, mon dos va brûler. Je ne peux pas faire ça sur mon ventre. Puis il y a une chose aussi. Quand vous faites ça là, c'est de l'acide. Donc portez un soutien-gorge. N'exposez pas vos mamelons à ça parce que ça va piquer. Si vous faites ça exactement comme ce que j'ai fait. Bonjour ma chérie. Si vous faites ça exactement comme ce que j'ai fait, 3 cuillerées plus 3 cuillerées à soupe de ça ici, plus. Dieu te garde aussi, ma chérie. Merci beaucoup. 3 cuillerées de shea butter plus 3 cuillerées de lactique acide de 90%. Et que vous appliquez ça sur votre poitrine, vos tétons là, ça va chauffer, ça va piquer dessus. C'est des zones sensibles. Et puis en dessous des seins aussi, ça va piquer. Donc vraiment, faites attention quand vous faites ce genre d'histoire-là. Et puis entre vos jambes aussi, c'est de l'acide. Même si ça y est dans une crème, mais il y a de l'acide ici, là. Parce que si j'ai ajouté 3 cuillères de 90% d'acide, ça veut dire que ça devient fort. Ma chérie, si tu mets ça entre tes jambes, oh, je ne serai pas là-bas. Je ne serai pas là-bas, OK? Mais par contre, là où passe le sous-vêtement, oui ma chérie, c'est bon, c'est pareil. Tu as juste besoin d'huile pour pouvoir atténuer. Ou bien mets n'importe quelle crème. OK? Mets n'importe quelle crème. Donc c'est ça. Mets seulement n'importe quelle crème. Moi, j'utilise le beurre de karité parce que ça tourne à ça. J'aime bien comment ça tourne, c'est bien solide, ça reste pas comme de l'eau, ça reste pas liquide. Mais quand tu mets n'importe quelle crème, utilise la crème qui ne contient pas de carbomer. C'est pas le mot carbomer en français, c'est quoi? OK? Non, non, t'es pas en retard, ma chérie. On est juste là. On parle seulement de la crème que j'ai fait l'autre jour, de la crème exfoliante que j'ai fait l'autre jour. T'es pas en retard, ma chérie. Donc, c'est ça. OK? Donc, les amis, vraiment, faites attention. Maman, ah, les seins, oui, mais quand tu mets ça sur tes seins,
Porte ton affaire au. Porte. Mashallah, ma chérie. Ah, je ne sais pas trop si c'est comme ça. Ah, I'm sorry. Mais porte quelque chose. Protège tes tétons. Protège tes tétons. Parce que si vraiment c'est fort, ça va bien piquer. Tu n'as rien loupé, ma chérie. Tu n'as rien loupé. On est là, on est toujours. On est seulement en train de parler. Le glutathione, c'est bon. Oh, maman, le glutathione, ça éclaire. Sinon, mais glutathione, les filles. Ah, les amis, moi, vraiment. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Vraiment, mes soeurs, je ne sais pas quoi vous dire. Le glutathione, c'est bon. Mais regarde bien le glutathione que tu achètes, ma chérie. J'ai fait une vidéo, je pense, sur ma chaîne anglaise. Je vais aller publier ça tantôt. Les filles, vraiment, faites attention, non? Faites attention. Ma chérie, les vergetures, là, hydrate-les. Les vergetures, avoid les vergetures. Évitez les vergetures, mes chéris. Arrêtez de mettre les tubes. Arrêtez de mettre le clobétasol. Arrêtez de mettre les stéroïdes sur votre corps. Non, tu n'as pas raté cette fois-ci. Mais surveillez, surveillez les stories. Si vous regardez dans le story, j'ai dit 30 minutes avant sur mon story que je vais aller live chez Inès Bury. Les filles, à éviter les vergetures. Maman, quand il y a vergetures, moi je ne sais pas. Les vergetures, c'est le chemin de non-retour. On les hydrate seulement. S'ils sont vieux, sorry, évitez les vergetures, les filles. Évitez. Les dermatologues ont des vergetures. Moi, mon dermatologue, elle en a tellement. Mais c'est elle, la dermatologue. Ce n'est pas elle qui devrait savoir. Vous dépensez de l'argent là-dehors sur les vergetures. Maman, on s'assume, non? Il n'y a rien. On est ici, là. Ok, je vais le faire. Non, tu ne peux pas faire le peeling avec de l'acide salicylique en poudre. Tu ne peux pas vraiment. Ça ne sera pas efficace. Ça, c'est seulement pour. Hein, exfolier, mais pas même beaucoup aussi. Parce que l'acide salicylique, c'est pas aussi fort que de l'acide lactique. Okay? Ou bien si tu trouves du TCA peel, là, c'est encore plus fort, peut-être. Mais l'acide salicylique, moi, c'est ce que je mets sur le visage. Je vous ai déjà montré ça ici en vidéo. Je vais peut-être faire un update sur ça aussi. Un de ces jours, on va peut-être en parler, peut-être live. Ok, les amis, vraiment les amis, les vergetures, évitez-les, évitez-les, évitez-les. S'ils sont vieilles, ça veut dire qu'ils ne vont plus partir. Ils vont pas parce que les vergetures, d'abord, c'est quoi une vergeture, les amis? Une vergeture, c'est une plaie. C'est une plaie qui s'ouvre sur ta peau. Ta peau se déchire. Mais si ta peau a une vergeture, ça veut dire qu'il y a cicatrice. Ce n'est qu'une cicatrice. Donc, traite la cicatrice. Mais ces affaires-là, maman. Plus vous êtes dans le Tchatcholand, ces produits-là que vous mettez sur le corps, parce que moi je vois, ouh maman, ouh. Moi je suis dans les groupes-là, les filles, je vois des choses, non mais vraiment. Ça me fait trop pitié. Surtout mes soeurs qui sont là-bas en Afrique, vraiment, moi là, j'ai peur de vous, gay. J'ai peur de vous. Les gens vous vendent n'importe quoi, vous achetez avec votre argent. C'est votre argent qui vous gaspille, c'est votre argent qui détruise votre peau, vraiment. Je suis désolée, mais allez-y, mollo, mes soeurs. Le skin bleaching, c'est un long chemin. C'est un long chemin, les amis. Allons-y seulement doucement. Tu ne cherches pas à gagner deux teintes en une semaine. Qui va le faire? On vous demande de boire les glutathions. Maintenant, là, vous ouvrez les gélules de glutathion. En ligne, chérie, il y en a sur Amazon. Il y en a sur Amazon, chérie. Vous ouvrez les glutathions en injection. Vous les buvez. Ah, mes soeurs, vraiment, qu'est-ce qui se passe, non, mes soeurs? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Moi, je vous dis toujours ici, moi, c'est depuis 2014 que j'ai arrêté d'utiliser les choses. Je vais pour moi mollo, puis je garde mon teint. Je sais seulement l'exfoliation. Vous voyez ça là. Parce que ça va enlever la peau. La nouvelle peau qui va venir maintenant, bleach cette peau-là. Quand cette nouvelle peau-là va sortir, quand tu vas appliquer quelque chose d'éclaircissant, ben, ça va rester clair. Ça va rester clair. Parce que vraiment, mes soeurs là-bas, et moi, je ne veux pas qu'on me fasse descendre mes soeurs qui vendent des choses ici aussi. Vous vendez vos choses, mais ayez pitié. Parce qu'on se connaît. Moi, je suis une tchatcholande. Je suis une gourou. Je suis une tchatcholande. Je connais ça très bien. Il y a toujours les choses behind.
Il y a toujours des choses behind. La solution que... Moi, il y a des solutions que je vois là. Vous cuisinez des savons là, mais les amis, vous cuisinez des savons. Est-ce que vous allez mettre ça sur votre corps? Ma chère, apprends à aimer ton corps. Oh. Parce que moi, là, je vois des gens qui ont des vergetures, même au dos. Comment quelqu'un peut avoir des vergetures au dos, maman? T'as fait comment, non? Les vergetures, ça ne peut pas sortir dans ton dos. Le dos n'est pas une place pour les vergetures. Donc, si tu as eu des vergetures au dos, ça veut dire que tu es partie à l'extrême, ma chérie. Ce que tu ne devrais pas faire. Quand un produit ne marche pas sur toi, maman, jette. Quand un produit ne marche pas sur toi, jette. Exfolie la peau. Le savon, ça exfolie. La dernière fois, il y a une personne qui m'a fait un commentaire. Il a dit, maman, Inès, le savon là m'a noirci. Oh, maman, si ça noirci, c'est que ça a cuit sur toi. Oh. C'est ça qu'on a dit là-bas, ça a cuit. Hmm? Parce que le savon là, ma chérie, ça ne peut pas noircir. OK? Il faut être patient quand on bleach. Voilà, Aïda. Il faut être patient quand on bleach. Et tu vas avoir une très belle peau. Il faut être patient. Applique les bonnes choses. Ne détruis pas ta peau juste pour avoir un beau teint. Oui, moi, ça ici, là, je l'applique deux fois par semaine, ma chérie. Deux fois par semaine parce que j'ai mis beaucoup d'acide. Si je le mets tous les jours, ça va brûler mon corps. Je vais avoir des plaies parce qu'il y a beaucoup d'acide ici. C'est 3-3, c'est comme 50-50 que j'ai mis. J'ai mis 3 cuillères de l'acide shea butter, et puis j'ai mis 3 cuillères de l'acide lactique de 90%. 90% c'est le high level. Maman, laisse les tubes là, non? Maman, laisse les tubes. Je sais, c'est pas facile de trouver parfois certaines bonnes choses, mais les tubes, les filles. Salut ma chérie Aïcha. Les tubes sont la cause de nos problèmes. Oui, le savon. Mais oui, les savons ne font rien. Hi, ma chérie Aminatou. Les tubes contiennent de clobétazole. Si ils ont écrit que dans le savon, ça contient de clobétazole, c'est moins fort. Parce que quand tu utilises le savon, après, tu rinces. Tu rinces. Le savon n'est pas aussi nocif que les tubes. Parce que le tube, quand vous l'utilisez, vous le laissez. Puis le problème avec le tube, c'est que souvent vous faites... Coucou ma chérie Belinda. Quand vous utilisez les tubes, vous les mélangez. Vous mélangez. C'est 5% seulement qui est écrit. Où est-ce que j'avais un tube ici là? Tube là non, c'est le tube de coucou ma chérie. Ça c'est le tube de piment doux, puis ça contient zéro. Oh, depuis Dakar, mon Dieu, tu dors pas à Dakar. Merci d'être là ma chérie. Merci beaucoup. Vous voyez, non, ici il y a 5% de clobétazole, vous voyez? 5% de clobétazole. Maintenant, le 5%, toi, tu ne vas pas seulement utiliser le tube. Un tube. Tu vas aller prendre 2-3 tubes pour peser ça dans ton lait. Le clobétazole et l'hydroquinone, ils sont ennemis. Ils sont ennemis, les amis. On ne mélange pas le clobétazole et l'hydroquinone. Mais ma chérie, vas-y, essaye. Hein. Moi, si tu viens, moi, tout ce qui est tube, j'avoue. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire quoi. Ma chérie, chacun de nous a commencé son tchat, je ne sais pas où, non. Mais moi, je dis seulement ce que je sais. Parce qu'ils peuvent écrire que ça c'est fait à part du salicylique acide. Coucou, Afi. Mais moi, je dis ce que je sais. Moi, le clobétazole, je ne le mets pas sur mon corps. Je ne mets pas. Le salicylique, Jeanne, coucou. Le salicylique acide, moi, je l'utilise. J'ai mon salicylique à tube. Mais c'est ça, les tubes sont dangereux. Moi, je ne sais pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, le salicylique acide, je l'ai en boîte. J'ai une bouteille, j'achète ça en bouteille. Puis, je l'applique directement sur mon corps. OK?
Moi, je l'applique directement sur mon corps. Ce n'est pas assez fort, donc je le mets soit pour exfolier, je peux le mettre sur tout mon corps. Et puis après, j'applique le lait, mon lait par-dessus. Un tube que ça persiste. C'est qu'il y a d'autres composants dans ce tube-là. Ils disent pas toujours la vérité. Allez-y seulement faire attention. Mais maman, chacun de nous. Mais on est en train de se détruire les peaux, les filles. Et souvent, soit tu arrêtes pour recommencer. Si tu vois que ta peau est gâtée, ton tchat ne prend plus. Ça, c'est une autre affaire, les filles. Tu vois que ta peau est gâtée. Salut, ma chérie. Bonsoir, ma chérie. Si tu vois que ta peau est gâtée, maman, stop. Stop everything. Trouve-toi un bon savon, un bon mélange de savon. Nettoie seulement ton corps. Exfolie seulement. Oh, bonjour du Togo, ma chérie. Et puis, utilise seulement une laine hydratante. Oui, ma chérie, c'est bon, ça va aller. Essaie de voir si c'est fort pour toi. Si tu trouves que c'est pas assez fort, ça n'exfolie pas assez vite, tu peux ajouter du salicylique acide en liquide. Je parle pas. Hello, sweetheart. How are you, Linda? Donc, c'est ça. Tu peux faire ça. Mais sinon, moi, c'est comme ça. Oh, ah ouais. Oh, tu es à Québec, ma chérie. Merci pour tes bisous, merci beaucoup. Envoie-moi le soleil que vous avez au Québec. Non, nous, à Edmonton, il pleut depuis 2 mois. J'ai déjà fait les vidéos sur comment enlever les brûlures de soleil sur le visage. Va checker, ma chérie. Oh, comment va ma Brazza la verte? Sylvanie, comment va Brazza la verte là-bas? Elle est toujours verte, Brazzaville, depuis que je l'ai laissée. Donc vraiment les amis, c'est ça, ok? L'exfoliation, c'est bon, exfoliez-vous, exfoliez-vous. Si moi j'utilise les gants pour utiliser ça, c'est tout simplement parce que c'est fort. Je ne veux pas gâter mes mains. Si je l'utilise, ça va gâter mes mains. Bonjour ma chérie Lucrèce. Bonjour, comment ça va ma belle Lucrèce d'amour? Comment tu vas ma belle Lucrèce? Comment ne pas bronzer? Oh, mais oui, ma chérie, le soleil du sud de la France, j'en ai besoin. Je vous dis, depuis le mois de juin, il pleut ici chez moi, il me donne chaque jour. Non, mais quand je vous dis chaque jour, là, c'est chaque jour. Donc, j'ai besoin de votre soleil. OK? Les amis, faisons attention dans notre chat. Moi, je ne suis pas venue sur la toile pour vous donner, oh, aller mettre le kérosène sur vous. Merci Marie. Faites juste attention. Coucou Sacha, comment ça va ma belle? Donc voilà les filles, nous on est là, on est nous là où nous on bleach. Aujourd'hui je voulais juste partir live. Je vais faire ça de temps en temps. N'oubliez pas d'aller aussi me suivre chez Femmes Actives les amis. Allez suivre votre soeur chez Femmes Actives, non? Là-bas aussi on partage le bandeau. Moi je vous ai toujours dit. Ça, c'est une crème seulement. Ça, c'est une crème. Ça, c'est seulement une crème. Ça va peler petit à petit. C'est une crème qui va peler petit à petit. Quand tu vas aller te laver, ça va nettoyer. Ça, c'est comme un savon qui va bien enlever ta peau petit à petit. Ça, c'est pas comme un peeling que tu fais directement comme la vidéo que j'avais fait. J'ai appliqué l'acide directement sur mon corps. Je l'ai mélangé avec le beurre de karité pour atténuer. OK, ma chérie? Ma chérie, je ne sais pas où. Je suis sorry. Oui, essaye. Si tu l'as fait hier, essaye. Mais dose seulement, ma chérie. C'est toi-même qui connais. De l'acide, ça pique. Si tu trouves que quand tu l'as appliqué, ton corps pique, eh bien, va ajouter un peu de crème, non? C'est comme ça. OK? Va ajouter un peu de crème pour que tu ne te brûles pas. Mais si tu vois que non, tu peux tolérer, alors c'est bon. Mais moi, je veux juste que vous fassiez attention. Les affaires que vous achetez au marché, moi, je vois les gens qui prépare le savon, si c'est kérosène qu'on a mis dedans, si c'est gasoil. Ma chérie, quand tu vas aller mettre ça sur ta peau, ça va juste décaper ta peau. Donc, ta peau va partir de la couleur A à Y. Et puis, quand normalement, quand ça va peler comme ça, tu as besoin d'hydrater. Puisque vous ne faites pas, vous n'hydratez pas les filles, vous n'hydratez pas.
heures par semaine, prends juste un bon, peut-être 2 jours dans ton channel. Ma chérie, 2 jours. Hi, Boubou. Hi, Guerlande. Vous voyez, non, prends au moins 2 jours dans ton chat. Prends pour toi un beurre de karité, maman. Mets ça là-bas. Mets ça là-bas. Bonsoir, ma chérie. Moi aussi, je kiffe grave au 242. Toujours au bosso, maman. On va aller où, non? On est là. Maman, vas-y, prends juste ça. Prends juste le beurre de karité. Mets ça sur toi, là. Masse ton corps. Hydrate. Si vous hydratez votre corps, vous exfoliez, puis vous bleachez, vous allez avoir un beau teint. Moi, je comprends pas comment tu peux pas avoir un beau teint. Bonjour, ma chérie Vanille Diva. Vous voyez, non? Comment tu peux pas? Si tu n'as pas un beau teint, c'est parce que ton savon là, comme ça ici, ton savon. Ok, ma chérie, on va en parler de tes choses. Ok? Mais moi, les filles, je sais. C'est pas pour dire que je ne vais pas aider. Ok? Moi, je vous dis ici de ne pas prendre. Moi, je ne mets pas les choses que vous vendez. Donc, si je prends les choses que tu vends, ma chérie, c'est pour que je les mette d'abord sur mon corps. Ton produit, il faut que. Bonsoir, ma chérie. Ton produit, il faut que je l'applique. Puis moi, je ne mets pas ces produits-là. C'est ça le problème. OK? Mais si tu peux m'envoyer. On va parler pour tes produits. Peut-être je peux donner ça à quelqu'un d'autre. Puis si je vois quelque chose, je vois. Il n'y a pas de problème. Je vais voir c'est quoi et puis on va en parler. OK? Il n'y a pas une question bête, ma chérie. Une question, c'est une question. Comment tu peux penser que ta question est bête? Il n'y a pas une question bête comme ça, ma chérie. Ne pense pas comme ça. On est des adultes ici, on peut se parler librement. Nous, on est pour libre. Hein? Mais chérie, moi, je dis, hein, c'est pas toi qui achètes ma crème. Moi, je tiens, non. Tu as un problème avec toi, avec moi. Prends la porte. Il y a une qui m'a dit que je parle trop, je donne trop d'explications. Ah, vous là, vraiment, vous allez nous finir. Quand on n'explique pas bien, vous n'expliquez pas bien. Si j'explique aussi, coucou Adja, si j'explique aussi beaucoup, tu vas dire que, oh, il vient me dire j'explique beaucoup trop et je fais perdre son temps. Ah maman, si tu as trouvé la porte d'entrée, tu peux toujours trouver la porte de sortie, non? Donc vraiment, bonsoir ma chérie Charlotte. C'est ça, moi je voulais juste faire des éclaircissements sur cette crème-là. Si vous l'utilisez, et le savon en morceaux. Les gels douche, il n'y a pas vraiment une différence. Les gels douche sont easier to use. OK? Ça dépend des composants. Il y a parfois des composants qu'on trouve dans les gels douche qu'on ne trouve pas dans les savons. Bonjour Charlie. Bonjour. Vous voyez, non, c'est seulement ça. Ça dépend. Lis les composants. Mais sinon, il y a des savons qui sont très forts, plus que les gels douche. Et les gels douche, il y en a aussi, tu te laves avec ça, ça fait rien aussi. Il y a des gels douche qui font rien. Ça dépend. Lisez toujours les composants. Si il y a des bons composants, il y a du kojic acide, il y a du salicylique acide, il y a ces composants-là qui sont vraiment actifs, ça veut dire que tu peux l'utiliser. Puis il faut seulement, parfois ce n'est pas le gel douche ou bien le savon, c'est l'utilisation, c'est la façon dont tu utilises ça. Quand vous utilisez les choses, vous appliquez ça sur votre corps. Laissez reposer au moins 10 minutes, c'est un gel douche. Laisse ça sécher sur toi. Laisse ça sécher sur toi au moins pour 10 minutes et puis après tu reviens sur ça. Tu viens rincer et c'est comme ça que tu vas avoir des bons résultats, que ce soit gel douche ou savon. OK? Trouve-toi seulement un bon savon. Il y a des savons qui n'éclaircissent pas aussi. De rien, ma chérie. Oui, c'est ça, mais la bave d'escargot, ma chérie, c'est ça qui est à la mode, c'est dans le cosmétique. Si tu trouves des produits à base de ça et que ça marche pour toi, c'est bon, vas-y, continue. Dans tout ça, on n'a pas tous les mêmes types de peau. Nous sommes tous noirs, comme je le dis, mais nous sommes des différentes shades. Chacun de nous a sa peau, chacun de nous a sa carnation, même si on est tous dans la même, dans le même panier qui s'appelle les personnes noires. Mais nous sommes différentes. Donc, si ça marche pour toi, ma chérie, tu vois, non, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, ce que je vous montre ici, ce genre d'exfoliation, ça là, tu mets ça dans les aisselles, ça va éclaircir. C'est ça qu'il faut appliquer. Dans les fesses, là. Derrière les fesses ici, là où on s'assoit. Vous voyez les endroits où on s'assoit, là? Ça, appliquer dedans.
En dessous des aisselles aussi appliquer. Mais si tu vois que ça pique, comme j'ai dit, si tu as mis assez d'acide, va ajouter un petit peu de crème, ça va bien aller pour toi. OK, les amis? Donc voilà vraiment. Moi, c'est ça que j'avais à partager avec vous. Et je voulais venir ici pour juste éclaircir quelques affaires avec vous. Salut, ma chérie. Sur cette crème exfoliante-là, elle est très bonne si vous pouvez faire ça. Si vous n'avez pas de l'acide lactique, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est de l'exfoliation à l'acide lactique. J'ai seulement ajouté le shea butter pour atténuer ça. Pour que ça ne puisse pas me piquer. Pour que ça, je ne le mette pas directement sur mon corps. C'est pour ça que je l'ai mis dans le beurre de karité pour atténuer la force. Pour que ça soit easier to apply on my body. OK? C'est seulement ça la différence. Mais sinon, c'est l'acide lactique qui fait le job. C'est le beurre de karité, il est là pour seulement, OK ma chérie Armelle, pour seulement aller hydrater. Donc ça va exfolier puis ça va hydrater en même temps. Tu ne verras pas la différence, ça va pas piquer. En fait, je le mets dans ça pour que ça ne me pique pas la peau, pour que je ne rince pas. Donc si je le mets ici, c'est facile à appliquer puis je vais dormir. Je l'applique seulement la nuit et puis deux fois par semaine. Je ne le mets pas tous les jours, sinon ça va trop me brûler. OK? Oui, c'est ça, ma chérie. Ce n'est qu'une crème exfoliante. Tu vas dormir avec ça. We want God est bon. Si ça marche sur toi, c'est bon. OK? Ce n'est que de la crème exfoliante. Quand tu as fini de te laver, applique ça sur toi et puis va dormir. Demain matin, lave-toi. Deux fois seulement par semaine. Merci, ma chérie. Deux fois seulement par semaine. Ne mets pas ça trois à quatre fois. Ça dépend, comme j'ai dit au début. Si tu as mis beaucoup trop d'acide, vas-y seulement deux fois. Si tu le mets trois, quatre fois par semaine, tu le mets tous les jours, ça va brûler ton corps. OK? Donc, l'acide va exfolier, puis le beurre de karité va hydrater. Voilà le but du mélange. Parce que je fais souvent des peelings sur mes mains, sur mes pieds, directement, puis après, je dois aller atténuer, je dois mettre les affaires. OK, les amis? Donc, c'est ça. C'est comme ça que je fais ça. Le but, c'est seulement ça. Merci, ma chère Kamère. Le but de ça, c'est seulement pour exfolier. Non, n'ajoute pas alpha-arbutine ici. N'ajoute pas alpha-arbutine ici. Alpha-arbutine, c'est, je vais vous faire une autre vidéo. J'en ai ici. J'en ai ici, j'en ai beaucoup. Je vous ai déjà fait. Oui, c'est bon aussi cette crème-là, ma chérie. J'ai déjà fait une vidéo sur alpha-arbutine, c'est bon. Je vais vous faire comment est-ce que je mélange les filles. Moi, je ne vends pas les produits, donc c'est pour ça que vous voyez les vidéos, ça tarde. Oui, ça doit tarder parce que moi, je ne peux pas jeter. Vous voyez là, j'ai fait seulement une petite quantité parce que j'aimerais aller aussi servir mes soeurs anglophones. Je vais faire next time, I will do it for on my English channel. So, my English subscribers, you will be served. On this next time, okay? Not now, but maybe let me finish this one first, and then after that, I will do this one, okay? Oui, Kim, la Kim Bernardo, elle est bonne. Ok, so yeah. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup. Après, je vais faire. Mais tu peux bien exfolier ton corps pour ta peau noire chocolat. J'ai fait le savon. Trouve-toi un bon savon. Trouve-toi un bon savon. Exfolie ta peau. Et puis trouve-toi une très bonne crème hydratante. Tu vas avoir. L'exfoliation, ce n'est pas seulement sur le chacholand. Ce n'est pas seulement pour nous, les mamans bleachées là. Non, non, non. L'exfoliation, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Noir, jaune, violet, chocolat, marron. Café au lait. C'est pour tout le monde. Tu dois exfolier parce que les cellules se régénèrent tous les jours. Chaque jour, les cellules se régénèrent. Donc, les cellules mortes, il faut les enlever. Comment? Par exfoliation. C'est aussi simple que ça. Les gens qui ont l'habitude d'exfolier leur peau, ils ont de très bons résultats parce que après avoir exfolié, tout ce que tu vas appliquer sur ton corps, ça va marcher au nom du bleach. Au nom du tchatchola. OK, les amis, donc, moi, je m'en vais. Merci ma chérie Christelle. Je m'en vais. Allez-y, surveillez les stories. Puis venez aussi chez Inès, chez Femme Active.
101. Femmes actives 101, les amis, je partage les sujets de la société là-bas. Écrivez-moi ça là-bas, non. Quand ma soeur coach Sonia vous dit là-bas, là, dites Amen. Vous dites Amen, non. Oh, you just come or you are late. I'm about to leave. I want to go. I'm tired. Moi, ma chérie, depuis le temps que j'ai, c'est depuis 2014. Depuis 2014 que j'ai commencé à utiliser les produits différemment. Il y a au nom du Tchatcholand, les amis, au nom du Tchatcholand, ça va marcher. Tu exfolies bien. Tu exfolies bien. Tu appliques tout ce que tu vas appliquer. Ça va marcher au nom puissant du Tchatcholand. C'est comme ça. Ça va marcher. Il n'y a pas de femme active 101. Écrivez-moi ça. Non, mais moi, j'attends. Non. Allez-y, écrivez-moi ça là. Femme active 101. OK, boubou, bye. Each other to love each other, my dear. Me too, I love you. OK? On peut s'aimer sans pourtant se connaître. L'amour est universel. OK? Et elle est... Femme active 101, non, les amis. Moi, j'attends. Femme active 101. Allez me suivre là-bas. Puis, n'oubliez pas de checker les... how you call it? N'oubliez pas de checker les stories. Je vais de temps en temps publier là-bas. Prenez soin de vous. Faites attention. Prenez soin de votre Tchatcholand. Ne mettez pas le kérosène sur vous. Même si mon frère a dit que le kérosène est devenu pétrole, je ne sais pas. Ça, c'est juste pour parler. Ne mettez pas kérosène sur vous parce que ça ne va pas changer sur votre peau. Ça va l'abîmer. Donc, moi, je vous aime bien. Envoyez-moi le soleil. Envoyez-moi le soleil parce que, oh, moi là, cette année. Parce que, oh, moi là, cette année. Boring, boring, boring. Il pleut chaque jour ici dans ma town. Il pleut chaque jour dans mon city. Et voilà donc. Oui, ma chérie, parce que je suis ici là depuis 45 minutes. My goodness. 45 minutes que je fais le blablabla. Merci, merci, merci. Portez-vous bien, les amis.